faut être bien reçu au concours de circonstances pour devenir dangereux. Sauzet un peu juste sur sa tête. Et voilà Fabien Lefebvre en position idéale. 20e minute, premier but pour Montpellier. Et pourtant, Montpellier a des soucis du côté de son attaque. Gravel qui ne vient pas d'hiver prêté à Guingamp. Montpellier est toujours à la recherche d'un gros calibre aux avant-postes. Risetto au centre. Une tête en retrait. Poitrine et frappe de pavot. 27 se couche et c'est Tétis, l'ancien Marseillais, qui marque au rebond. Joie de Montpellier, 2-1 à l'affichage. Avec Franck Sauzet, une frappe puissante que la maîtrise une première fois, mais pas vraiment où elle arrivait. Et bien, évidemment, c'est Ricard qui parvient à égaliser. C'est Montpellier qui donne tout. La révolte montpelliéraine pour essayer de revenir au score. Le centre de Mauvais, lui aussi rentré en cours de jeu. Ballon qui va revenir sur Sorlin, le centre maintenant, et la reprise de Philippe Delaye. Voilà l'égalisation montpelliéraine. Delaye qui n'était pas du déplacement à Bordeaux, il était suspendu. On attendait enfin une frappe cadrée, elle arrive grâce à Philippe Delaye qui à 9 minutes de la fin du match relance complètement ce match. Il reste 9 minutes pour tenir du côté de Strasbourg et pour essayer de trouver une deuxième ouverture du côté de Montpellier. Fin de match complètement folle avec... un suspense qui est relancé. C'est le cas, c'est sur le but. Il est là. L'ouverture du score pour Joris Morveau, qui n'avait pas mis la cap tout à l'heure. Montpellier qui prend les commandes. Et Montpellier qui remonte sur le podium. En Ligue 1, probablement l'an prochain, soit à Montpellier, soit ailleurs. On le retrouve, Costa, c'est fort sur le but. Et de nouveau, avec Tino Costa. Passeur et buteur. C'est un magicien avec son pied gauche. Montpellier touche encore un petit peu plus le paradis. Ah, c'est incroyable quand même ce qui se passe. C'est incroyable d'abord dans le stade parce que c'est de la folie. Parce qu'avec l'ouverture du score de Boulogne, il fallait que Montpellier marque. Ça fait deux fois de suite, mais c'est incroyable aussi. Comment Strasbourg peut se mettre dans l'embarras en défendant aussi mal? C'est pas possible, c'est vrai que ce coup franc c'est une merveille. Il est marqué directement, mais il aurait pu être touché par deux maillots rouges qui sont encore tout seuls. Il y a Bocali, je ne sais pas qui, j'ai pas vu. Derrière Bocali, c'est Montagnot, ouais, qui était à l'affût. Encore une fois, sur la faute, sur le marquage, ils étaient perdus, les Strasbourgeois.